Al segle XVII, sous le règne de Louis XIV, Peire Pau Riquet capite une des Suisses techniques et financières et relie l'Atlantique à la Méditerranée par une vie d'aigo navigable du canal del Niju. Le succès de cette entreprise pharaonique inaugurée en 1681 inspire un nouvel projet, relie Seto à Belcaire et perlonga à tal cap à l'est le canal del Niju. Belcaire bénéficie d'une opposition fort favorable aux échanges commerciaux. D'ailleurs, c'est ici que se débat cada nado d'empié le siècle XVII une fière de renommée internationale, la fière de la Madalena. En 1738, un ovio d'aigo serpeggiant entre les différents stands de Seto Aigos Mortos marque les prémices de quel ensemble nouvel. Mais en 1790, Belcaire se passe en caro attention, fauto de sus tempestades. Qu'à l'espérant 1804, perché le canal aborde enfin Belcaire. La ville s'adapte au projet et les murailles médiévales sont destruites et les entours sont aménagés. Entre 1809 et 1811, l'ouvrage s'acabe, Rose et Zatench. Le canal de Rose à Seto entre en service 130 ans après la création du canal del Miejour. Le canal représente pour Belcaire une atout considérable pour le développement de sa fière annadière de la Santa Madalena. Facilite l'arrivée de commerçants et accentue encore sa dimension de carrefour international. Le trafic sur le canal connaît son apogeu au cours de la seconde moitié du siècle XIX, mais réalisé tardivement et rapidement confronté à la concurrence des médias de transport nouvelles qui accompagnent la révolution industrielle. En 1842, le camion de fer arrive fin à Belcaire. Au siècle XX, des transformations nombreuses, la destruction de la Seconde Guerre mondiale et les améliorations du canal n'ont pas pu réhabiller l'intérêt de cet objet de communication fluviale. Oui, les touristes ont remplacé les mercants.